du score, que ce soit du côté du TP Mazembe ou même du CS Don Bosco, mais jusque-là, les meilleures occasions sont pour les Salésiens, peut-être avec Oscar Kabuito sur cette action, et la sortie, eh bien, c'est arrivé. On va attendre la décision de monsieur l'arbitre sur cette action d'Oscar Kabuito qui a anticipé et s'est heurté un tout petit peu avec le portier. Mouyemba, mes sportifs et chers auditeurs de Nyota FM, peut-être sur ces ballons avec Barthélémy Diouf, il est 1-2 avec Philippe Traoré, ça part de l'autre côté, et je pense que il a, c'est fini en fond du filet, il a retrouvé à cette nature, comme je le disais, que le corbeau était en train de chercher à ses buts qui arrivent à finalement, on va revoir tout de suite le buteur Philippe Traoré. On a suffisamment parlé de lui, et effectivement, il a répondu. Et on va suivre. C'est penalty qui sera joué très rapidement face à lui, Ruben Philippe Traoré, un joueur, et c'est parti, Philippe Traoré, un contre-pied parfait, et ça finit au fond du filet, 3 pour le corbeau du TP Mazembe, et un doublé signé par le Malien, Philippe Traoré qui confirme encore une fois sa nature de buteur et surtout la capacité de prendre responsabilité dans ce genre de match pour mettre justement à l'abri son équipe qui est le TP Mazembe. Il va remettre à cette équipe de compter aujourd'hui 26 points et regardez déjà l'avance que ça va faire. Ça va permettre à l'équipe de Mamadou Lamine Ndiaye d'être vraiment en sécurité. Et le quatrième but qui vient d'arriver finalement. Et là, Sam Kamboué. Jean-Barthélemy Diouf qui vient aussi de sceller. Il est récompensé par ses efforts. Il est récompensé parce que il a suffisamment montré, il a apporté cette technique, cette vivacité au milieu de terrain, on l'a dit. Et voilà, c'est une récompense parce que...